Aujourd'hui, je vous propose d'aborder quelques fonctionnalités sur certaines fonctions d'Excel, notamment la fonction texte, que nous pourrons imbriquer avec certaines fonctions d'échéance. Je vous donne un exemple. Par exemple, si je souhaite automatiser, comme on peut le voir ici dans la barre de formule, sur une facture quelconque, dans l'attente de votre acompte, etc., où le solde est à régler à telle échéance, nous pouvons bien sûr, en imbriquant des fonctions de type échéance et une fonction de texte, nous pouvons avoir ce type de résultat. Dans un deuxième temps, je vous propose d'aborder un autre sujet. Ce sujet consistera à discuter, à parler ou et à vous démontrer à quoi sert la fonction unique. Cette fonction est assez récente et, sauf erreur de ma part, elle est disponible sur Office 365. Donc, je vais aussi imbriquer cette fonction unique avec une fonction de LBval. Alors, nous verrons aussi en quoi consiste cette fonction, mais je pourrais d'ores et déjà vous briefer là-dessus. Par exemple, là, j'ai une liste sur des raisons, des clients que je possède, et je me rends compte qu'il y a plusieurs doublons, voire triplons. Alors, ce que je souhaiterais, moi, c'est d'avoir une seule donnée hein, par client, même si celle-ci se répète plusieurs fois. Et bien sûr, ce que je souhaite aussi, c'est avoir le nombre de clients unique. Commençons par la fonction de texte. Si je prends par exemple, je souhaite par exemple créer des références articles avec, comme je le mets ici, avec 7 caractères et les premiers caractères seraient des zéros. Alors bien sûr, si je tape 120, ça ne fonctionne pas. Alors deux alternatives à cela, c'est d'une part de passer par un changement de format, hein, comme je l'ai fait ici. Hein. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai cliqué droit, je suis allé dans Format de cellule, et ici, dans Personnaliser, j'ai mis 7-0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À partir de là, eh bien, comme on peut le voir, des zéros ont été créés juste avant mes références. Il y a bien sûr une autre alternative. Donc là, je vais un petit peu réduire la barre de formule. Il y a bien sûr une autre alternative, c'est de passer par la fonction de texte. Et bien là, par exemple, si je sélectionne toutes mes cellules, je tape égal, la fonction de texte, la valeur, c'est bien sûr la référence, point virgule, et le format texte, et bien entre guillemets, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, je ferme les guillemets. Alors, pourquoi je mets des guillemets? Parce que je considère que c'est du texte. Alors, je ferme ma formule, contrôle, entrée, et là, comme on peut le voir, les références ont été créées. Donc, je pourrais bien sûr les mettre à droite, au centre, etc., etc. Je vais à présent vous faire une autre démonstration avec la fonction texte. Je vais à présent l'imbriquer avec des fonctions type échéance. Là, par exemple, si par rapport à la date de facture que j'ai mis ici, si je souhaite être payé à 15 jours, il suffit de prendre, bien sûr, là je le refais, hein, bien sûr pour vous, égale donc la date de facture plus, bien sûr, 15, ou bien je sélectionne directement le nombre de jours. À présent, si je souhaite payer en fin de mois, je vais utiliser, comme je le mets ici, la fonction fin de mois. Donc je vais ici taper égale fin de mois, voilà, fin mois. Et là, la date de départ, c'est bien sûr la date de facture, point virgule. Et là, combien de mois? Eh bien, si j'avais voulu mettre par exemple fin de mois plus un mois, j'aurais mis 1. Donc là, je vais mettre 0. C'est bien fin de mois. Donc là, c'est bien au 31 mars. 30 jours fin de mois, eh bien, on y arrive. Hein. Donc là, je vais mettre égal toujours fin de mois. Entre parenthèses, la date de départ, c'est bien sûr la date de facture, point virgule. Et là, je mets plus 1, un mois. Donc, si je démarre le 12 mars, date de facture, j'attendrai la fin de mois, plus 30 jours, c'est-à-dire plus un mois. Si à présent, je vais me faire payer à 40 jours fin de mois, mais là, j'ai mis une petite particularité. Je ne souhaite pas tenir compte aussi des jours fériés, c'est-à-dire un jour férié, c'est comme si c'était un cadeau. Okay? Donc là, j'ai créé une liste de tous les jours fériés, et là, comme ça démarre en mars, le 1er mai ne sera pas pris en, le 1er mai et le 8 mai d'ailleurs ne sera pas pris en considération.
Donc là, comment je vais construire ma fonction? Eh bien là, je vais faire bien sûr série.jour.ouvrez, hein, c'est une fonction qui existe dans Excel. B6, donc je prends bien sûr la date de facture. La date de départ, je rajoute 40 jours. Et là aussi, je prends mes jours fériés. Je tiens compte de mes jours fériés. Alors, pourquoi il y a marqué férié? Parce que tout simplement, j'ai sélectionné tous les jours fériés de l'année. Je suis allé dans la zone de nom et j'ai donné un nom à cette plage de cellules. Voilà. Donc le reste, 60 jours, c'est la même chose, hein. Donc ici, si je souhaite être payé à 60 jours fin de mois, là, je vais prendre en compte, bien sûr, donc je vais taper égal fin de mois, ou fin mois, hein. Voilà, fin mois. Donc la date de départ, c'est toujours la même chose, c'est toujours la date de facturation. Et là, comme c'est à 60 jours, donc je mets en mois 2 mois. Donc là, ben, je serai payé si bien sûr la facture date du 16 mars, je serai payé le 31 mai. Et ici, si je suis payé le 30 jours fin de mois le 10, je prends exactement la même fonction, donc fin mois. Date de départ, c'est la date de facture, le 20 mars. Ici, c'est un mois, parce que c'est 30 jours. Je ferme ma fonction, plus 10. Et je fais entrer. Alors, si à présent, je souhaite rajouter, par exemple, du texte dans une facture, hein, par exemple, dans l'attente de votre acompte de 3000 euros, sachant que le net à payer est de 10 000 euros, je vais devoir utiliser l'imbrication de deux fonctions. Donc là, je vais effacer afin de recommencer. Donc là, je vais mettre, comme c'est du texte, donc je vais bien sûr commencer par égal. Je vais commencer par du texte, donc je vais mettre des guillemets. Donc dans l'attente de votre acompte, je fais un espace, guillemets, et là, comme je vais rajouter une fonction texte, je mets le e-commercial, texte. Donc je vais prendre comme valeur, bien sûr, le net à payer, multiplié par 0,30, dans la mesure où je souhaite avoir un acompte de 30%, donc multiplié par 0,30, guillemets, et le format texte, que je vais mettre entre guillemets, comme je souhaite un séparateur de milliers d'euros, donc je vais mettre dièse, espace, 3 dièses, 1, 2, 3, virgule, 0, 0, espace, et je vais mettre euro, guillemets, et je ferme mon imbrication de fonction. Alors apparemment j'ai oublié ou je me suis trompé. Oui, en effet, là j'ai mis la cellule F170, c'est F17 bien sûr. C'est là où est hébergé mon TTC. Donc là j'ai bien 3000 euros. Donc deuxième zone de texte que je souhaiterais mettre, c'est le solde est à régler à échéance et je pars du principe que le client me paye par exemple à 30 jours. Donc j'utiliserai une imbrication avec la fonction texte, la fonction fin mois. Donc là, ici, j'y vais. Donc égal, entre guillemets, puisque c'est du texte, le solde est à régler à échéance, virgule, soit, je fais un espace, guillemets, je rajoute le et commercial et la fonction texte. Et là, je vais l'imbriquer avec la fonction fin mois. Par exemple, imaginons que ce soit le 5 mars. Donc, je vais sélectionner la date de facture, hein, le 5 mars, qui se trouve en B3. Une fois que c'est fait, eh bien, comme c'est à, j'ai dit 30 jours fin de mois, donc point virgule départ, donc 30. Pardon, excusez-moi. Mois 1, je ferme la fonction fin mois, point virgule, je reviens dans la fonction texte et là je dois mettre un format. Donc le format pour avoir les jours, le mois et l'année, je vais mettre entre guillemets JJ slash MM pour moi slash 4A pour les années. Donc je ferme les guillemets et je ferme la fonction. Je fais entrer.
Donc là, si ma facture démarre le 5 mars, le solde sera à payer, à régler le 30 avril 2017. Bon, bien sûr, la facture est au 5 mars 2017. Je vais à présent vous parler de la fonction unique. Alors là, par exemple, j'ai une liste de clients qui m'ont acheté certains articles. Là, je n'ai mis que les quantités. Et ces clients se répètent au quotidien. Donc moi, ce que je souhaiterais, c'est supprimer les doublons, les triplons, etc., etc. Donc pour cela, je vais utiliser la fonction unique. Alors, si bien sûr ma liste s'allonge, je vous conseille de transformer cette plage de données en tableau Excel. Donc pour ce faire, comme d'habitude, je vais dans Accueil, ici dans le coupe-style, mettre sous forme de tableau et choisir n'importe quelle forme. Donc là, mon tableau comporte des entêtes, oui, il y a des titres. Donc je clique sur OK et là, je vais développer ma fonction unique. Donc, égal, il suffit de sélectionner une cellule, égale la fonction unique. Voilà, la matrice, c'est bien sûr tous ses clients. Je ferme. J'ai tous les clients, mais sans doublons. Donc là, maintenant, ce que je souhaite, c'est avoir le nombre de clients. Donc là, j'en ai trois, bien sûr, hein, mais si je le souhaite automatiquement, je vais passer par la fonction nbval. Nbval, et ici, bien sûr, je sélectionne le nombre de clients. Donc je ferme ma fonction, et là, Excel me dit qu'il y a trois clients. Alors, bien sûr, il serait plus convenable d'imbriquer les deux fonctions afin d'avoir cette donnée. Donc je vais passer par la fonction égale nbval et je vais l'imbriquer avec la fonction unique. Donc là, je vais sélectionner bien sûr tous mes clients. Je ferme encore une fois. Et là, j'ai donc là le même résultat, mais en imbriquant la fonction nbval et la fonction unique. Alors bien sûr, comme j'ai transformé mon tableau, ma plage de données en tableau Excel, si je mets par exemple une autre société, SAS, allez, je me mets, hein, Nael, plusieurs fois même, hein, plusieurs fois, SAS, Nael. Donc d'une part, ici, la fonction unique a fonctionné, hein, donc ça me prend en considération le nouveau client, ainsi que le nombre de clients. Et pareil, lorsque j'imbrique, bien sûr, les deux fonctions, nbval et unique. Cette formation est à présent achevée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, le cas échéant, et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications. Quant à moi, je vous remercie, je vous dis à bientôt.